C'est parti pour une petite session de pêche où on va tester la canne tortue ninja, les gars. Elle est pas incroyable, elle est juste là. On l'a pris aux USA et là le but ça va être d'attraper un poisson avec. Pour ça on a pris un petit bouchon, on a tout ce qu'il faut pour faire le petit montage. Et on a aussi regardé les vers de terre qu'on a trouvé hier soir. Ils sont là, ils sont parfaits. Allez, c'est parti pour l'unboxing de la petite canne à pêche Tortue Ninja. On va commencer par l'ouvrir gentiment. Juste là, voilà. Hop là, voilà. Je sais pas comment ça va marcher ça. Regardez ça. Incroyable. J'ai jamais vu un moulinet comme ça. Je sais pas comment cette canne elle fonctionne. C'est bloqué là. Oh, voilà. Ah, quand on appuie, ça dessert. Ok, c'est parti. Il suffit juste d'installer le fil. Elle est vraiment, vraiment petite, la canne. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas du tout ce que ça donne à l'intérieur là. Voilà, là, je suis bloqué. Ok, on va lui mettre le petit bouchon. Et voilà, le petit bouchon est installé. On va lui rajouter quelques petites perles et des hameçons. Et on équipe le verre. Et voilà, le petit montage est fait. Il manque plus qu'à mettre un ver de terre, voilà, qu'on a récolté hier soir. Oh là là, ils sont vraiment longs. Hop là, on fait plusieurs passages. Hop, et c'est parti pour tester ça tout de suite. On va voir ce que ça donne. On rééquipe le petit sac. Et au cas où, voilà, comme je pêche assez souvent ici et qu'il y a pas mal de jeunes piranhas qui viennent me rejoindre pendant mes lives, j'ai prévu le coup. Des petites casquettes au cas où si on a des jeunes amis qui viennent nous rejoindre. Allez, c'est parti, on équipe ça dans le sac. Hop, on prend le sac et c'est parti pour tester la canne à pêche Tortue Ninja. Alors, est-ce que ça va marcher? Bah, je crois que ça va être compliqué, les gars. Je crois que ça va être compliqué, cette histoire. À votre avis, est-ce qu'on va faire un poisson avec ça? Regardez comment ça va archi bien lancer, là. Regardez. Regardez! Le bouchon, il est parti tout là-bas, les gars. Ça lance méga bien. Allez, j'espère que ça va marcher. Oh! Il y a un truc à sauter à côté de mon bouchon! Vous avez vu? Oh, un pêcheur! Ça comment ça va, mon ami? Bah ça va. Bon après rigole pas de ma canne par contre. Non, bah, c'est un nouveau truc. Oh bah tu me connais. Ah bien sûr. Tu connais la sombre pêche. Regardez les amis, tiens. Ouais, une petite casquette gros. Pour toi mon ami. Merci. Bah de rien, ça me fait plaisir. Ah lui je le reconnais. Non, mais là, c'est un vélo de papy ça. Non, lui. Ah c'est celui-là ton vélo. Ah ouais. Oh là là, incroyable. Tiens mon pote. Merci. Une petite casquette pour toi. Comment ça va, Enzo? La petite casquette en cadeau pour toi, mon pote, derrière. Ça va ou quoi? Ça va et toi? T'as vu ma nouvelle canne ou pas? Elle doit coûter au moins 1000 balles. Mais non, elle coûte 19$. Oh putain, j'aurais dû prendre plus de casquettes. Comment ça va? Ils sont sur le live, je les vois, ils sont juste là sur les lives. Comment ça va, mon ami? Comment ça va? Ça va et toi? Bon, je sais pas comment vous allez faire pour vous départager, il me reste qu'une casquette, les gars. Tiens mon pote. Merci hein. De rien mon ami. Merci. Je te laisse juste regarder hein. J'avais ramené 5 casquettes. Non ça va mon jeune ami, ça va ou quoi? Putain. Oh il se retrouve. Oh là là il se retrouve. J'ai tapé une tempête dessus. Hé, j'ai un poisson. J'en ai un. Oula. Vas-y. Mais pourquoi ça les pique pas frère? Je suis en train de craquer. On a pris des touches mais on les a loupées les gars. Merci mon pote, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va, Ezox. Ouais, ouais, je suis avec Mathis. Mathis et une petite vidéo dédicace pour Charlie. Mathis et la mamie, ils m'ont dit d'aller pêcher à l'arbre là-bas. On va essayer d'attraper du poisson. On va voir s'il y en a, on verra bien. Ouais. Tu m'assures qu'il y aura du poisson ou pas? Ok, j'aurai du poisson. Ça peut marcher là devant les arbres? Oui, il y en a pas mal. Il y a souvent de la perche. On va tester. Hein. Pourquoi tu lui donnes à lui? J'en ai déjà une chez moi. Et c'est qui tu l'avais eu où celle que t'as chez toi? La dernière fois au concours. Quand vous étiez venu me voir? Ouais. Et ben regardez. Et voilà, il régale le jeune ami qu'on n'avait pas eu, ça fait plaisir. C'est ça les gars, non mais vous rigolez, mais c'est un vrai partage que vous faites là, ça me fait plaisir. Allez! Allez!
Allez. Il est là, incroyable. C'est mon voisin. Tiens, je te fais confiance. Fais attention, t'attends si le bouchon il coule. Okay. Perds pas ma canne, hein, je te fais confiance. Hein. Fais gaffe, hein, je rigole pas. Hein. Si je sors un poisson, je te dois une canne à pêche. Sure. Ouais. Ça va ou quoi, mon gars? Ça va ou quoi? Regardez! Hey. À chaque fois que je le vois, il a un nouveau casque, le poteau. Attends, je vais essayer de lancer vers les canards, là. Mais ouais, j'ai vu. Je suis coulé! J'en ai un! J'en ai un! J'en ai un! Oui, c'est bon! Allez, le live il va se couper, je suis à 1% de batterie. La canne Tortue Ninja, elle est validée avec tous mes amis qui sont juste là. On l'a fait ou pas, les gars? Eh, les gars, on l'a fait ou pas? On l'a fait! Voilà!